Dengash! Brahman! Dengash! Wapama! Dengash! No! 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 Autorize Manda! 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 Wapama! Dengash! Wapama! Dengash! Brahman! Dengash! Brahman! Dengash! Brahman! Dengash! Chers compatriotes, chers compatriotes, merci à vous d'être venus. C'est vrai que c'est de l'endurance, mais nous n'avons aucun autre choix. Notre pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos parents qui sont sur le territoire ivoirien dépend de nous qui sommes en Europe ici. En Côte d'Ivoire, nos parents sont bâillonnés. En Côte d'Ivoire, nos parents sont bâillonnés, nos enfants sont bâillonnés. Ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Dès que trois personnes se réunissent, voici la police criminelle de Goma Ouattara qui vient les pourchasser, les assassiner. Et pour ceux qui ont la chance, ils sont emprisonnés. Ici en France et partout en Europe, nous ne devons pas faiblir. Nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous devons rester sur le pied des guerres. Il faudrait que ce dictateur, ce terroriste de Goma Ouattara, ce criminel de Goma Ouattara, cet assassin de Goma Ouattara libère le plancher. Goma doit libérer le plancher. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa quiétude. La Côte d'Ivoire doit retrouver sa paix. Nous voulons aller aux élections pacifiques. Nous voulons une CI consensuelle. Nous voulons la paix. Rien que la paix en Côte d'Ivoire. Cette division qui a été installée par Goma Ouattara, cet assassin imposé par la France, imposé par les États-Unis, imposé par l'Europe, cet assassin de Goma Ouattara, cette exaction doit prendre fin. Maintenant, cette année-là, maintenant, avant octobre 2020 plutôt, Drummond doit libérer le plancher. Drummond doit libérer le plancher. On ne doit pas compter sur quelqu'un d'autre. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, peuple de Côte d'Ivoire. Voyons guerriers aux mains nues. Oui, nous combattons aux mains nues. Voyons guerriers aux mains nues, parce que nous autres Ivoiriens, nous autres enfants du président Laurent Gbagbo, avant la culture de la démocratie, nous avons été enseignés à la démocratie. La culture des hommes, ce n'est pas notre culture. La culture des théories, ce n'est pas notre culture. Nous, nous avons été à l'école de la démocratie. Nous avons toujours combattu les mains nues, sans armes, sans machettes, sans kalachnikov. Nous sommes un peuple de paix. Nous sommes un peuple épris de liberté. Nous sommes un peuple démocratique. La guerre, nous ne connaissons pas. Même si Drummond Ouattara, avec ses sibylles, nous a imposé la guerre dans notre pays. Mais non, on dit cette fois-ci non. Il y en a marre. Nos enfants sont morts. Nos maris emprisonnés. Nos soeurs emprisonnées. Nos enfants emprisonnés. Cela dure depuis 1999. Aujourd'hui, là en 2020, nous ne pouvons pas autoriser. Nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas tolérer un troisième mandat. Nous ne pouvons pas accepter que notre constitution, cette constitution même, qui régit un peuple, cette constitution qui fait d'un État un État libre, on ne peut pas accepter que cette constitution soit violée, soit brigandée, soit décapitée. Nous disons non. Nous disons non au troisième mandat de Drummond Ouattara. Moi j'ai un gros problème depuis ces derniers jours. Quand Emmanuel Macron, le petit président de la France,
mon président. Emmanuel Macron, le petit président de la France, reçoit le dictateur, l'assassin Dramane Ouattara. Moi, j'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça en ce sens que il cautionne Emmanuel Macron, il cautionne toutes les exactions qui se passent dans notre pays. Si tu ne cautionnes pas un dictateur, tu ne le reçois pas à l'Élysée en grand peuple. Donc c'est un complice de Ouattara. Emmanuel Macron est un complice de Dramane Ouattara. Ça, il faudrait qu'on le dise. Nous ne devons rien attendre de la France. On n'a jamais rien attendu de la France. Yeah, I love you, baby.
c'est mon parent. Sinon en réalité, Babou c'est mon parent. Papa se pardonne. Est-ce que le camarade Noé, non, ça suffit, est là? Le camarade, est-ce qu'il est à côté? Alors, s'il n'est pas encore là, nous allons appeler ici la sœur Clémence, qui va aussi intervenir. La camarade Clémence, s'il vous plaît. Voilà, elle est là. Oui, il y a les camarades du COJAP qui sont là aussi, ainsi que les camarades de l'UNG qui vont aussi être venus tout à l'heure. Voilà. Le camarade Clémence, merci. Chers Ivoiriens, je vous salue. Soyez salués combattants et combattantes. Soyez salués peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes là, ce n'est pas pour fêter l'anniversaire de quelqu'un. Ce soir, nous sommes là, ce n'est pas pour faire une fête à quelqu'un. Ce soir, nous sommes là pour dire à Ouattara qu'on est déterminé. Nous sommes là pour dire à Ouattara que l'heure arrive pour qu'il passe. Nous sommes là pour dire à Ouattara que dans le spirituel, là, tout est accompli. Nous sommes là pour dire à Ouattara que on va le manger avec du bruit. Ce soir, nous sommes là pour dire à tous ceux qui sont aux côtés de Ouattara, pour dire l'heure a sonné pour qu'il passe. Oui, mes frères et sœurs,
soeur. On n'a pas besoin de vous stimuler. On n'a pas besoin de vous motiver. Chacun de nous donne sa motivation. Compte tenu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, toi et moi, on doit nous motiver pour sortir. On doit nous motiver pour dire à Ouattara que c'est fini. On doit nous motiver pour dire à Ouattara que son nom est arrivé pour partir. On ne peut pas être à tout moment en train de violer cette constitution. Ouattara, il est venu au pouvoir avec la complicité de la France. Nous, aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui demandent à la France d'intervenir, on dit non. Non, parce que c'est fini. On est dépendant de la colonisation, c'est fini. La France a aidé Ouattara à céder au pouvoir. Nous, on dit à cette France-là que prends Ouattara pour partir, parce qu'on n'en veut pas. On n'a jamais voulu de Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais il est venu au pouvoir par la complicité de la France. Voilà. Un jour, on a démenti ça, on a dit on ne veut pas de Ouattara. Et Ouattara lui-même, il est tombé à son propre piège. Voilà. Constitution ivoirienne, il a touché. Il a cru qu'en touchant, ça allait l'arranger. Mais lui-même, là, son propre couteau l'a blessé. Lui-même, là, Dieu a renversé la vapeur sur Ouattara. Ouattara va partir. Moi, je dis à tous ceux qui sont aux alentours de Ouattara, les Bitogo, les ceci, arrêtez de vous renier. Parce que Ouattara va partir. Arrêtez de menacer les gens. Aujourd'hui, vous levez, aujourd'hui, vous menacez les hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous levez, vous faites des choses dans ce pays. La Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est Dieu qui a permis que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est pour dire à Ouattara que l'heure a sonné. Ne soyez pas certainement découragés. Pour dire que ceux d'Abidjan ne sortent pas, ceux d'Abidjan ils ont peur. Non! Vous savez, une lutte là, c'est une course d'endurance. Et quand on court sur le parcours, il y a certains qui sont fatigués. La femme peut-être se mettre à côté. Et le plus fort va loin. Et quand l'arrivée, quand on dépasse la ligne d'arrivée, on appelle tout le monde pour venir se réjouir. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si nous sommes deux, si nous sommes trois, on va toujours continuer à lutter. Parce qu'on a ça en nous. On a ça en nous, la liberté, là, on ne te donne pas. C'est toi qui vas arracher ta liberté. Je pense que vous êtes prêts ce soir à arracher votre liberté. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à arracher votre liberté? Oui. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à dire au peuple français, on les aime, mais on veut être libre. Tout à fait. A dit à Marine Bob Le Pen, qui ne veut pas beaucoup d'immigrants en France, nous on va rester chez nous. On va rester chez nous, mais on va respecter nos ressources. Arrêtez de piller nos ressources. Arrêtez de piller nos ressources. Pour nous dire que non, on a trop d'immigrés, même ceux qui prennent la Méditerranée. Toi et moi, nous savons combien de ressources nous avons en Afrique. Laissez l'Afrique exploiter leurs ressources. Arrêtez de choisir les présidents africains. L'Union européenne, je ne sais qui d'autre. Ne pensez pas les hommes. J'ai vu la dernière fois. Le président Ouattara a été reçu à l'Elysée. Moi, je dis, oh, honte à la France. Oh, honte. Oh, honte à la France. Oh, honte. Quelqu'un qui veut briguer, quelqu'un qui a déjà dit, je ne ferai pas un troisième mandat. Le lendemain, il retourne sa veste comme si de rien n'était. Et à quoi vous pouvez le recevoir? Mais c'est parce que vous êtes de connivence avec lui. Vous êtes de connivence avec lui. Nous, on n'a pas besoin de vous. On va faire notre lutte. Amène-nous. Nous allons sortir dans la rue, battre le pavé, pour que ce Ouattara tombe. Et quand il va tomber, vous savez, chacun va rentrer. Le 43e Bima, là, si c'est ce que vous ne voulez pas entendre, là, le 43e Bima, là, va venir en France ici. On ne veut plus de vous. Si c'est ce qui nous fait mal, là, la menace n'est rien. Quand on te met au monde, là, tu es appelé à mourir. La mort ne doit plus vous faire mal. Vous dites non, si je prends le micro, non, si je marche, on me voit, on va me menacer. Mais si Rosa Parks disait ça, elle n'allait jamais se lever. Elle n'allait pas l'accepter de se lever dans le train. Et la ségrégation allait continuer. Si Martin Luther King avait vu ça, il n'allait pas se lever. Martin Luther King n'allait pas combattre. Si chacun avait pensé à ses intérêts, on n'allait jamais lutter. Mais quand on lutte pas pour soi. On lutte pour son peuple. On lutte pour ses amis. On lutte pour tout le monde. Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur de lutter. Parce que Dieu est avec nous. L'Éternel est avec nous. Tout est accompli dans le spirituel. C'est dans le matériel qui reste. N'ayez pas peur. Il ne faut pas vous influencer. Vous allez aller au pays. Vous n'allez pas aller au pays. C'est chez nous. On va aller. Si moi, on m'a tué là, il y aura d'autres Ivoiriens qui vont lutter. Parce que la lutte là, elle est perpétuelle.
La lutte, si aujourd'hui je ne suis pas là, il y aura quelqu'un d'autre qui va lutter. Donc j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Vous êtes païennés, vous êtes assis chez vous. Levez-vous, sortez, on va dégager Ouattara, on va investir dans nos pays, on a plein de choses à faire. Je vous remercie. Merci. Merci, la camarade Clémence. Merci beaucoup. Nous allons continuer les interventions et les camarades qui veulent prendre la parole, c'est livré, c'est pour tout le monde. Alors, maintenant, on va appeler du côté du COGEP mon camarade Olivier Magui, qui est juste là. Voilà, réacclamez s'il vous plaît, camarade du COGEP. Merci. Bonsoir combattants, bonsoir combattantes, bonsoir patriotes de Côte d'Ivoire. Le COGEP par ma voix vous salue. Le ministre Charles Degoudé par ma voix vous transmet ses salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles. Le COGEP est présent parce que la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, notre terre, la seule que nous avons aujourd'hui est menacée. La Côte d'Ivoire est menacée parce que le président Laurent Gbagbo, il est allé, il a accompli des actes pour la paix. Lorsque, en 2010, le président Gbagbo prend l'article 48, qui lui conférait des pouvoirs énormes pour faire de Ouattara un candidat exceptionnel, il avait fait pour que nous allions à la paix. Le président Laurent Gbagbo, pendant l'article 48, a fait de Ouattara un candidat, mais un président exceptionnel. En 2015, le président Gbagbo, encore dans ses geôles, a fait la même chose, parce que Ouattara est devenu candidat président en 2015 par dérivation. Dérivation de quoi? De ce qui s'est passé en 2010. Alors, le président Gbagbo, pour la paix à tout donner. Et aujourd'hui, que le président Gbagbo et Charles Degoudé sont sur le chemin du retour, ils en sont empêchés par celui-là même qu'ils ont fait. Parce que, qu'on le dise, on ne le dise pas, on ne le dit pas assez. Mais le président Gbagbo et Charles Degoudé ont fait Ouattara. Ils l'ont fait. Parce que s'il n'avait pas été là pour prendre l'article 48, Ouattara serait jamais président de la Côte d'Ivoire. Et donc, le faire, c'est ce qui a permis à Ouattara d'être candidat et président. Aujourd'hui, le COGEP est dans la rue, les Ivoiriens sont dans la rue, parce que simplement, il est temps que nous prenions notre destin en main. C'est à nous, en restant dans la rue, en mettant la pression sur Ouattara, en mettant la pression sur les organismes internationaux, en mettant la pression sur l'ONU, sur toutes ces structures-là, que Ouattara va dégager. Ouattara ne partira pas par la force. Nous ne ferons pas partir par la force. Nous ne ferons partir par la pression. Et cette pression-là, nous allons la maintenir. Le COGEP va la maintenir. Les patriotes vont la maintenir. Les Ivoiriens et puis de paix vont la maintenir. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et Ouattara doit comprendre qu'il ne doit pas les utiliser dans son business. Nous avons compris que Ouattara se sert des Ivoiriens. Il se sert des Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont tellement épris de peur que Ouattara utilise cela pour créer des conflits interethniques. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez les médias, on parle de conflits interethniques à venir en Côte d'Ivoire. Mais cela, ça a été toujours la façon de fonctionner de Ouattara et de sa bande. Parce que dans tous les cas, ils sont dilatoires. Et nous devons comprendre que le moment est venu de se mettre tous ensemble, Ivoiriens. Pas, on ne parle pas en termes de parti politique, on parle en termes d'Ivoiriens, avec un grand I. Et c'est ça qui doit retomber. La Côte d'Ivoire est en danger, que Macron reçoive Ouattara en France, c'est bien. C'est de la politique, c'est de la diplomatie. Ne soyez pas offusqués, n'en soyez même pas atteints outre mesure. Bien au contraire, nous devons être heureux parce que le retour de Ouattara au pays, les événements qui vont se dérouler au pays vont nous donner à comprendre ce qui s'est passé entre Macron et Ouattara.
Donc nous devons simplement dire de ce bien qu'il est venu, qu'il soit venu plutôt en ce moment bien précis, et en tirer les leçons et les conclusions dans les jours et les semaines à venir. Sachez donc, chers Ivoiriens, sachez donc, chers patriotes, que le ministre Charles Blé Goudé et le président Rwandaise, par nous, ne baisseront pas les bras. Tant que nous serons dans la rue, tant que nous serons en train de mettre la pression, ils seront là avec nous. Je voulais vous dire ce soir que aujourd'hui en France, à Strasbourg, à Bordeaux, il y a ces mêmes événements qui se tiennent. Ça veut dire que nous sommes aux quatre coins de la France. Et cela est important. Notre combat est en train de payer. Ce n'est pas le nombre qu'il faut regarder. Non. Le nombre n'est pas important. Que nous avons deux ou trois dans les rues, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait d'y être. Et le fait de dire les choses telles qu'il faut. Sans violence. Sans violence. Parce que nous menons le bon combat. Parce que nous menons le combat aux mains nues. Et c'est ça qui est la vérité. Vive les patriotes que vous êtes. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le ministre Charles Blé Goudé. En ce moment, je parlais et vive le Cogep. Merci. Merci, chers camarades. Merci beaucoup. C'est comme vous voulez, hein. Vous la demandez, on va vous la donner. I'm a man.
Le micro est ouvert, celui qui veut parler, il demande la parole. Le micro est ouvert. Il est libre pour tout le monde. Le micro est ouvert. Do say ya, I'm gonna go